tirato. Et dès qu'il va ramener la balle là, ça plaque. Toujours,
Je suis au source droit à quel soldat? La main là. Là, toujours la main là, et c'est là, à essayer de faire le tour et de le passer. La main là, toujours la main sur la main là. Là, et on va mettre le pied là, pression sur la balle, là, là, voilà. Souvent, on voit les gamins encore au poignet, dès lors, là, 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 et on ouvre la tour. Ce sont les choses basiques. Plus haut niveau, plus les respectez pas, plus les gamins. Ça a l'air comme ça. Venir. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va même
simplement que les propriétés des gamelles, les boules, la défense sur la barre, le pétrole, sauter au ballon. Oui, je tourne la tête, on me sent. Là, le reste là, tu reviens, tu repars là-bas, là, tu comme ça. Et on se met là, on essaie de faire ce que tu fais dans la minute. Tu es où derrière lui, il achète trois passes à la maximum, il est à chaque fois. Hein? Tu là, tu franchis. Thank you.
porteur s'éloigne du ballon, plus il s'éloigne du ballon, plus je m'éloigne de lui. Pour être sur les ailes, attention du joueur défensif derrière ce joueur. Plus il va se rapprocher du ballon, plus je me rapproche de lui. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut comprendre. Un joueur qui va vers le ballon, vous le touchez, vous pouvez être dessus en conversation. Allez. Maintenant, on va faire un tour de l'autre côté, passer là, et on va rajouter une autre page. Thank you.
une question. Là, je vais vous montrer l'exercice générique qu'on fait en groupe ici. Voilà, et là. Je l'ai pris. Voilà. Allez, on chante, on chante. Tu vas quand? Merci. Allez, allez, on reprend, on reprend, on reprend, ça suffit les bras. Allez. Ici, quand on reprend, je suis pas dans la semaine. Et on est plus. Tu es sûr, on va mentir. Yeah.
On l'a dit tout à l'heure, par rapport à un jeu, je reçois le ballon. Je reçois le ballon ici. Quand je suis comme ça, mes intentions sont bonnes. Mon intention c'est bon. Parce que là, on va partir, vous pouvez la recevoir ici. On a dit tout à l'heure, moi, j'ai donné la table ici. Là, ici. Mais dès lors où je lâche la balle, après, il faut que je la remette à droite. Si tu ne le fais pas, derrière, il y a merde. Ou toi, tu seras merdé parce qu'il y aura un homme en noir de la faute. Allez. Au revoir, au revoir, au revoir. Eh, hey, moi, je voulais que tu me l'arrêtes quand même. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Allez. Thank you.
d'angle après. À 45. Pas de milieu. Pas de milieu. C'est-à-dire, en fonction de l'endroit où il est sur le terrain, je
reste, je tiens dans mon lit. Et là, dans cette zone-là, ma pression devient plus grande. Et plus il va s'approcher du palier, plus ma pression va être grande. Tout à ça avec une obligation de garder la balle sur le côté. C'est vrai, il faut qu'il comprenne. S'il attaque ici, de garder la balle sur le côté, bien. Et que je ferme ici, tourne le milieu, c'est pas bon. Ah, c'est un choix, hein. D'autres peuvent dire, on ne regarde là, hein. Bon, ça va. Chacun son truc, moi ça ne me dérange pas. Mais j'estime qu'un attaquant ici, avec la notion du côté défensif, ça veut dire, ici, fermer la raquette, obliger ces joueurs à faire des passes hautes, à contourner le bloc défensif. Je vous ai dit tout à l'heure, on a vu que le plus important, c'est de faire des choix maintenant. On ne sait pas comment on joue, il y a 0-0. Il y aura toujours un paillet, il y aura toujours. Mais pour eux, il faut aussi une cohérence. Pour eux, il faut qu'il y ait des automatismes. Pour eux, il faut qu'ils sachent à tel endroit du terrain, qu'est-ce que je dois faire. Quand le ballon est à tel endroit du terrain, il faut que je sache ce que j'ai à faire. Le ballon est ici. Dans le grand en bas. Le ballon de la fille est ici. Je prends la main et je prends. Le champ de ballon est là, pour l'équipe. Et comme on a privilégié, nous, la notion du bloc défensif à nos camarades, pour lui, nous sommes le plus le loi 55, comme je vous l'avez dit, les jaunes en attaque et verts en défense. Jusqu'au moment où on est en train de se faire. Là, les mains sont là. Lui, on lui donne la possibilité de jouer, lui, et
pouvait pas intervenir si le gouvernement était démis. Je vais intervenir trop tard. C'est pour ça que je m'en compte. Avec ses bras qui est une Suisse, je défends là, je vais essayer de dissuader toute face dans le monde. Lui est celui qui sortira là ou là, c'est toi le premier. Parce que c'est le plus près. S'il fait la passe là-bas, donc, et moi je prends. Et tout le monde prend. Surtout voilà. Encore plus par rapport au fait. Il va être de son côté. C'est le ballon, hein, c'est pas lui. Donc. Il est là. Ok, voilà. Deux contre deux. La main de joueur. Venez là.
On va faire deux continuellement. On a mis les positions. Bon, c'est pas trop là. Et là, voilà, et ils attaquent là-bas. Tu recules, ça, ça, ça. Toi, quand il a fait la passe, tu peux pas arrêter. Ici, au lieu d'être là, ce qu'on appelle la ligne de balle, si tu es là, ça ne sert à rien, vu qu'à la base, c'est la on revient ici, par rapport à ce goal. Il y a la ligne de passe, il y a la ligne de balle. J'ai l'intérêt d'être ici, quand il y a ce goal, alors que je vais revenir ici, par rapport à l'autre. On change de et là, on va Thank you.
aérienne, on défend, on fait bien défendre, et puis quand on prend le tir, on va faire. Ça, c'est une chose importante. Les équipes qui jouent le rond, ce sont les professionnels. Le rond, on joue tout le monde. Au-delà de bien défendre, maîtriser le rond, prendre le rond, ne pas laisser les défiants à la cassette, c'est quelque chose que l'on peut dire par rapport à la personne. Voilà, moi je vous avais des questions encore. On n'a pas abordé ce qui est remporté dans notre chose. Comment? Voilà, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure de ma position de droit. Dès lors que je défends son niveau face à mon contact, mais pas non plus. Bon, pour la sombrerie, je dois même le coup de mon contact. Bien, ça c'est tout. Les 10 dernières années, en ce moment, les 10 dernières années, les 15 dernières années, même des garçons de 2005-2010, l'année de Fermara, on a beaucoup travaillé sur la mobilité des niveaux de l'âge. Énormément. Ça veut dire que même les garçons de 2010, on est Gobert, même le grand Vincent, il est peu avec le 2022, mais on sent qu'il y a eu un travail de fait sur la mobilité de l'âge. Aujourd'hui, les 10 prochaines années, ça va être l'utilisation des matchs. Souvent, on va faire beaucoup de matchs. Combien il y a de garçons qui jouent les mêmes comme et la grande caractéristique du point de vue de leur identité. Les Grecs, ils ont toujours les bras de l'eau. Les Espagnols, ils sont toujours très bien. Les Américains, quand vous les jouez, ils touchent tous les ballons. Il suffit de nous les faire sur les touches. Aujourd'hui, les accès dans le travail de notre travail, sans étudier les garçons, ça ne sert à rien d'avoir 2,5 m si on joue comme on est 2,95 m. Quand on est là, tu as compris. Mais être capable de sortir les bras, ça c'est quelque chose que dans tout votre travail de cela, de l'attitude défensive, il faut qu'ils apprennent à jouer avec les bras. Ça c'est une des priorités sur les 10 prochaines années. Quand on a ça, après, quand vous avez 5,95 m et 2,5 m, c'est impressionnant. Même si nous, on n'a pas été, on n'a pas eu forcément une grosse équipe défensive cette année au championnat de l'Europe. On a marqué nos faiblesses par l'interdire, prendre du volume, etc. Voilà. Question. Merci en tout cas. Thank you.